الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله واحثكم على طاعته وانهاكم عن معصيته واعلموا عباد الله أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا عباد الله Je vais vous dire quelque chose et j'aimerais bien avoir votre attention. Quel est le rôle de l'imam? Qu'est-ce que doit faire l'imam? Et qu'est-ce que ne peut pas faire l'imam? Ce que doit faire l'imam, c'est d'être honnête, c'est d'être sincère. Ce que doit faire l'imam, c'est d'être nasih, ou nasuh, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nasiha, c'est de dire les choses qui sont au fond de son cœur, et les choses qui sont au fond de son esprit, et en lesquelles il est sûr de la vérité, et aussi qu'il est sûr que c'est le bon propos à tenir vis-à-vis de ses frères. Et c'est pour cela que je vais vous parler d'un sujet. Libre à tout un chacun. Je dis bien libre à tout un chacun d'avoir son opinion, d'avoir son avis, d'avoir même, je dirais, sa conviction. Mais aussi, c'est un devoir à l'imam de le dire. Nous allons voter le 23 avril et le 7 mai. Et le vote, on a déjà parlé plusieurs fois. Il y a une chose dont on doit être tous d'accord. L'imam, quel que soit cet imam, il ne lui est pas permis de parler sur le minbar et de dire il faut voter pour tel parti ou voter pour tel parti ou voter pour telle personne ou voter pour telle personne en les nommant. Ça, il n'a pas à le dire. Et si jamais vous entendez un imam le dire, vous attendez qu'il termine. Une fois que tout est fini, vous allez le voir, vous lui dites vous n'avez pas le droit de nommer qu'il faut voter pour tel parti ou pour telle personne ou pour telle personne. Pourquoi? Parce que les opinions sur ces sujets-là, elles peuvent aussi être diverses. Mais, quand on est dans la situation où on est aujourd'hui, où nous avons des personnes, des candidats, je dis bien à la présidence, qui nommément, qui dans leur programme, au cœur de leur problème, je veux dire, ils ont cette hostilité à l'islam, je dis bien à l'islam et aux musulmans de France, alors là, il faudra être clair. Il faut être clair. L'extrémisme, la haine, la rancœur, la division de la société est un mal qu'il faut combattre. Et c'est pour cette raison. Je reparlerai samedi, Inch'Allah, je suis là entre le Maghrib et l'Isha, donc à l'heure de la conférence, je reparlerai posément et tranquillement et en détail de ce sujet. Mais ceux et ou celles, je ne sais pas s'il y a des femmes aussi, qui appellent au boycott, ils se trompent, ils se fourvoient, ils s'égarent. On ne peut pas et on n'a pas le droit de boycotter les prochaines élections. Les musulmans, à moins que vous voulez après le 7 mai, on rentre dans une guerre civile. Vous voulez la guerre civile? Vous voulez la dissidence? C'est même pas la résistance qui sera imposée aux musulmans, c'est carrément la dissidence. Parce que à écouter certains et à écouter leurs discours, c'est à cela qu'ils poussent. Donc, si on peut éviter que des extrémistes qui ont la pensée, qui ont l'idéologie, qui ont la politique de Hitler, d'être les présidents de la France, il faudra aller voter et barrer la route à ces gens-là. Donc ça, je le dis et je n'ai aucune réticence à le dire. Encore une fois, on peut avoir des opinions.
On peut boycotter par moments, mais il y a des moments où il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Je ne dirai pas que le vote est une obligation, est un devoir, comme ça dans l'absolu. Mais par moments, je peux me permettre de le dire. Quand vous avez parmi les quatre qui ont la possibilité de gagner ces élections, au moins deux qui, sous prétexte pour l'un d'attaquer le fondamentalisme islamiste et l'autre pour attaquer le totalitarisme islamique, il remarque quand il le prononce, il dit « ik, ik ». Il le précise bien. Et jusque-là, on a toujours fait une nuance par pudeur, par dignité, par respect entre le ist et le ik. Le ist qui renvoie à l'idéologie et le ik qui renvoie à l'adjectif qualificatif. Mais cet homme-là, il vous le dit directement. Il n'est pas candidat à la présidence de l'OTAN. Il n'est pas candidat à la présidence de l'ONU. Il n'est pas candidat à la présidence d'une instance supranationale. Il est candidat à la présidence de la France. Il vous dit, je veux combattre le totalitarisme islamique. Et donc, il veut combattre quoi? Il veut combattre l'islam. Il veut combattre les musulmans, d'une façon ou d'une autre. Donc, encore une fois, barakallahu fikoum, ne vous trompez pas du jugement. Je vais vous citer juste cet exemple et je terminerai. Parce qu'il y a des moments où les choses sont facilement distinguables, sont facilement, je dirais, on peut les départager. Il y a des moments, quand on est dans le clair-obscur, les choses s'entremêlent. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, l'homme raisonnable, l'homme sage, n'est pas celui qui sait distinguer le bien du mal. N'est pas uniquement celui qui sait distinguer le bien du mal, mais celui qui, entre deux biens, il sait choisir le meilleur de ses biens. Et entre deux mots, il sait comment écarter le pire de ses mots. Ibn Taymiyyah, quel siècle? 8e siècle. On est dans cette situation. On n'est plus dans droite, gauche, je ne sais quoi. On est entre deux biens, peut-être, et deux mots. M-A-U-X, il faut savoir décider, il faut savoir choisir. As-salallahu al-Azim. Rabbil Arshil Karim. Je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire que notre pays soit en paix, que ce pays soit dans la quiétude, et que les extrémistes, les haineux, de tous bords, quels qu'ils soient, soient écartés, ils soient vaincus, ils n'auront jamais à commander dans ce pays. Ami, oh Allah, on te prie, on te demande cela. Un frère qui est éprouvé, qui ne mérite pas cette épreuve, qui est banni et éloigné de sa famille. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Allahumma ruddahu ila ahlihi ardan jamila. Allahumma ruddahu ila ahlihi ardan jamila. Une sœur qui fait une opération, hein, aussi, difficile. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour elle, la guérison. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala que cette opération soit pour elle un rétablissement, un lit. Et pour tout le monde et tous les musulmans, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Je n'oublierai pas une chose. Je ne pourrai pas descendre de ce minbar sans le dire. Ce qui se passe en Syrie. Qu'un président gaz, tue sa population, ses enfants. Moi, je ne trouve pas de mots. J'ai honte et j'ai peur. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que nos cœurs sont morts. J'ai peur que nos cœurs sont devenus insensibles au point où un crime pareil. Et les musulmans ne bougent pas. Des enfants gazés au gaz sarin. Vous les voyez, ils n'ont pas de blessures, pas d'égratignures. C'est juste un gaz qu'ils inhalent, qu'ils ingurgitent et ils suffoquent. Et la bave sort de leur bouche, ils sont morts.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الظالمون، اللهم لا تؤاخذنا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا العفو والعافية، اللهم عافهم وعفو عنهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.